ko attaquer ba ours na ba lion pour na protéger ba brebis. Mais kanambe atiki ba brebis yekutuna zo bomba na munduki na ye. Et puis ba verbe o batiel ko ya satana, le diable ne ba verbe o zeli ko sala mana vie à kanambe, détruire, égorger et voler. Na combat o yo tozana yango pona ko libérer mboka na biso. S'il vous plaît. Beaucoup de sa sentimenté parce que sans donner cours, les professeurs régalaient les cabinets. Malheureusement, aujourd'hui, il est avec Kanambe. C'est un grand professeur de l'université de Kasapane Lubumbashi. Il a dit, notre sous-développement n'est pas un produit d'une bague. Aujourd'hui, je pense que nous sommes proches de la victoire. Yes. Nous ne pouvons pas aller au Congo n'importe comment. Sinon, parce que nous sommes combattus. Les gens, si aujourd'hui il y a des disputes dans la diaspora, ça vient, c'est d'origine spirituelle, d'origine satanique. Il y a des gens qui sacrifient des êtres humains pour déranger notre combat. Penaini, ndeko oyoyo tuninga motuno zangbanda na ini epete. Naza na rantine contrariété, mais tout simplement na monique azali ko dévier bato na bisoto azali ko mema peuple congolais na erreur pe azo kotisa biso na kati ya bruhaha. Message ya combat. Il y a résistance, il fallait qu'il faut arrêter la musique. Parce qu'au moment où il y a besoin de conscientiser bateau, aussi longtemps que Kuna Baki se recoute la musique, le message est qu'ils allaient écouter. Bon. Et là, on a eu ça qui est au problème, il y a un parlement et Bandaka depuis l'époque, il y a Jésus-Christ. Et là, on a eu ça, il y a un peu de la Congo. Il y a un peu de sali à Pareko. On a déjà dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, pasteur Jules Autolo Bangou, tant nous avons Keli Moutou. Attient à jardin d'Eden. Quelle signification donnez-vous à la cérémonie aujourd'hui? Mais c'est une grande cérémonie spirituelle où nous rencontrons les grandes personnalités telles que Odombo, Henri Mouquet et surtout les bishops charismatiques et les bishops français. C'est une rencontre des étoiles. Qu'est-ce que tu as à dire, bishop charismatique? Non, je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui c'était une journée particulière prophétique. Vous savez que d'abord nous sommes dans une église prophétique. L'église où bishop Kadima Francis se dirige, cette église on l'appelle l'ancienne de Belgique, là où tout est parti. Et c'est aujourd'hui une coïncidence prophétique pour que nous nous retrouvions en face de nous à Odombo et Henri Mouquet. Ils n'ont jamais été intronisés dans une église spirituellement. Ils ont mené cette lutte avec Dieu qui les a guidés. Ils n'ont jamais été reconnus par une quelconque organisation spirituelle. Et aujourd'hui, vous devrez comprendre que c'est un conseil de la pastorale de la diaspora, conseil de pasteur de la diaspora congolaise. Alors, qui reconnaît aujourd'hui en intronisant Odombo et puis Henri Mouquet, les introniser dans un monde spirituel? Puisque tout travail spirituel, c'est comme sur le plan biblique. Apôtre Paul, il a parcouru toutes les autres provinces, mais il s'est dit en lui-même, il faut retourner en Jérusalem pour être reconnu par les plus considérés. Aujourd'hui, les travaux qu'Henri Mouquet a fait, aujourd'hui, les travaux qu'Odombo ont fait, ce travail a été reconnu dans une église. C'est-à-dire que c'est un conseil de la pastorale congolaise de la diaspora. C'est un conseil qui a reconnu, ce conseil est représenté de toute la diaspora. Toute la diaspora doit reconnaître que Odombo et Henri Mouquet, ils sont les pères génitaires de ce mouvement spirituel. Alors voilà pourquoi ce travail a été fait aujourd'hui par bishop charismatique en tant que président, membre, cofondateur de ces mouvements, et fait par Francis Bishop Kadima comme cofondateur de ces mouvements, pour que ces gens puissent être reconnus. Ils sont intronisés. C'est-à-dire que toutes les églises de la diaspora doivent reconnaître ces gens avec double honneur, en les respectant, puisque les conseils de la pastorale de la diaspora congolaise les a reconnus. Et quelle est la place de l'évangile dans ces combats? Ah oui, l'évangile dans ce combat, l'évangile, d'abord c'est, quand on parle l'évangile, c'est la parole, l'évangile c'est l'évangélisation, alors c'est un combat à caractère évangélique, puisque c'est un combat de mobilisation,
de sensibilisation. Et puis vous devez savoir que l'évangile est incarné par les pasteurs, les hommes de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait, qui s'efface que par la parole. Alors les hommes de Dieu, ce sont des gens qui véhiculent la parole. Ce sont les faiseurs d'opinion. Voilà là où l'évangile a grande part de travail dans ces combats. Que ce combat qui a changé aujourd'hui, puisque le combat devient spirituel, à un combat spirituel aux hommes spirituels. Voilà, vous avez dit que ces combats changent de dimension, ça prend maintenant les dimensions spirituelles, la dimension spirituelle. Comment les combattants peuvent se préparer pour entrer vraiment dans cette dimension-là spirituelle? En bousqué, comme les géniteurs de ce combat, eux-mêmes, sont des chrétiens. Ils croient en Jésus. Ils ont accepté de s'humilier dans une église, demandant encore la faveur de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont dédié eux-mêmes comme père génitaire ce mouvement à Dieu. Il dit que spiritualité. À la spiritualité, nous ne sommes rien. Père, aujourd'hui tu nous as montré que tu es Dieu dans cette histoire. On était qu'une goutte d'eau dans l'océan, qu'un cheveu dans une soupe. Maintenant, Seigneur, tu nous as montré, tu as mis ta main. Oh, le mouvement s'est répandu dans le monde. Voilà pourquoi tout combattant devient esprit. Tout combattant devient spirituel. Partout les combattants se trouvera. Puisqu'hier, ils étaient appelés des voyous. C'était une étiquette. Et pourtant, c'était des chrétiens. C'était des chrétiens. Et de manière empirique, nous voyons quelqu'un qui veut se marier. Il va coutumièrement se marier. Il va à la mairie se marier. Mais en fin de compte, il va aussi à l'église se marier pour demander la bénédiction de Dieu. Et c'est ce qui vient de se faire aujourd'hui. Les deux super-héros, si nous pouvons les appeler comme ça, Henri Mokey Odombo, viennent dans une église. Et dans cette église, où il y a les pasteurs, les pasteurs responsables de la diaspora qui sont là et qui prient, qui les élèves dans cette dimension spirituelle pour que les anges de Dieu les accompagnent. Donc ça a pris une autre forme maintenant, ce n'est plus une affaire charnelle mais spirituelle, et nous savons que tout ce qui était comme une grosse montagne devant eux sont écroulés aujourd'hui. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Les chrétiens regardaient, se disaient pourquoi nos pasteurs ne s'engagent pas. Et maintenant que les chrétiens nous voient dans ce mouvement, ils comprennent que si les pasteurs sont dedans, c'est que le mouvement est accrédité, Dieu est dedans. C'est ce qui va se passer en fait. Nous sommes là pour dire aux chrétiens, nous sommes d'accord de ce que font nos frères pour la libération. Et nous en tant que pasteurs, nous rentrons dans la théologie de la libération de notre territoire. Et je peux vous dire que depuis que l'année a commencé, ici dans notre église, on ne prêche que sur la théologie de la libération de notre territoire. Et surtout quand on parle même d'un terme, on dit libération. C'est un terme qui est à caractère spirituel. C'est pour libérer de quelque chose. Nous avons toujours prêché dans nos églises, libérer les peuples, libérer les captifs, libérer les prisonniers. Alors c'est ça même l'objectif de l'onction. Nous avons toutes les personnes qui ont été ointes dans la Bible, ont été ointes pour libérer. Voilà pourquoi cette onction a saisi tout chrétien, tout païen, même les non-chrétiens. Cette onction les a saisis. Alors, c'est une onction de libération. C'est un acte spirituel. C'est parti. Voilà pourquoi nous sommes loin et toute l'église est loin. Nous avons vu Jésus-Christ lui-même. Quand il est arrivé sur la terre, quand il a commencé sa première mission, sa première expression, il m'a oué pour libérer. C'est-à-dire, notre objectif, c'est la libération. C'est un acte spirituel. Moi, j'ai béni le Seigneur pour d'abord la prière qu'on a faite pour nous. Donc, c'est vraiment au nom de tous les combattants. Il ne faut pas seulement regarder Henri Mokey ou bien Odombo. Donc aujourd'hui nous étions les symboles qui a représenté tous les combattants du monde entier. Parce que les combattants et les chrétiens doivent marcher ensemble. Le combat est d'abord spirituel avant de devenir physique. Donc, comme la Bible nous dit, les chrétiens sont les sels de ce monde. Nous devrons donner le goût dans ce monde. Nous ne devrons pas laisser les satanistes nous diriger. Les satanistes nous opprimaient. Aujourd'hui, comme la Bible le dit, nous sommes la lumière de ce monde. Pourquoi
si aujourd'hui nous sommes matés par les occultistes, les satanistes, les criminels comme Hippolyte Kanambe, c'est parce que nous, chrétiens, on ne s'élève pas. Il faut voir aussi une autre dimension de ce combat qui est du côté spirituel. Je pense que les conseils pastoraux, c'est une bonne initiative. C'est ce qui manquait dans ce combat. On peut lutter partout au Canada, aux États-Unis, en Europe. Mmh. Mais qu'est-ce qui nous réunit? Quelle est notre âme de combat? Tu vois, quand tous ces pays qui sont réunis pour attaquer le Congo, pour nous mater l'Afrique, ils ont leur âme. Ils se retrouvent quelque part dans la nuit. Mais nous, quel est le symbole qui nous réside? Je pense que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment le Père. C'est lui le chef de ce combat. C'est pour cela que vous avez vu qu'on nous a combattus. On nous a taxés de voyous. Même d'autres journalistes ont été manipulés. Que ce soit la diaspora, les journalistes le soir. Madame Colette Brackman en 2005 nous a taxés des ultranationalistes. Aujourd'hui, ils écrivent non, ce sont des Congolais qui réclament. Et après, le lendemain, ils changent d'avis. Ce sont les partisans d'Étienne Tshisekedi. Nous ne sommes pas les partisans de quelqu'un. Nous sommes les partisans du Congo. Amen. Notre seul parti politique, c'est le Congo. Yes. Je pense aujourd'hui, je suis vraiment très content avec mon frère Odombo, parce que nous avons été bénis. Quand nous sommes bénis comme ça, en présence du peuple de Dieu, comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mmh. Et que les hommes de Dieu ont prié pour nous, c'est un acte symbolique. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes proches de la victoire. Yes. Nous ne pouvons pas aller au Congo n'importe comment. Sinon, parce que nous sommes combattus. Les gens, si aujourd'hui il y a des disputes dans la diaspora, ça vient, c'est d'origine spirituelle, d'origine satanique. Il y a des gens qui sacrifient des êtres humains pour déranger notre combat. On tue les gens, on dit qu'il faut mobouler côté la bangokuna na poto. Bouna boyo kaka trouble côté na katia diaspora. Bon moni baoyo babando s'attaquer na baoyo ba jalousie côté. Et ça, problème spirituel. Na niveau spirituel, sur ma cambo et vous allez bien, vous verrez que Pasteur Tchatoumbazali, Francis Kadimazali, Naba Pasteur Gilles Bao, Nyonso, Bazo, constitué conseil, Bako Bandako brisé ba hôtel satanique, dirigé par Kanambe, Nabalien, Nabango, Bazo, Tcham Makila, Batoubade, Tsuel Bango Bako Bouka, Nenge, Nzambalobaka na Gédéon, Albike, Bouka na nos hôtels, Wana, Banzamba, nous renverser ba hôtel, Wana, Otongelanga hôtel. Je pense que c'est le travail maintenant. Yes. Pasteur Bazo, ça, la Pona Kotonga, hôtel Yassika, Motokinde na victoire Yassika. Merci. Pasteur, j'étais étonné aujourd'hui que vous avez introduit votre évangile par une notion d'histoire. Qu'est-ce qui vous a motivé de le faire ainsi? De faire savoir au peuple de Dieu l'histoire du Congo. Pratiquement, c'est ma première fois de voir ça dans une église. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous savez, nous avons le peuple devient efficace quand le peuple comprend et connaît son histoire. Nous avons centré seulement notre évangile sur à manger et à boire, les habits et la prospérité. Nous avons oublié l'essentiel. Puisque même sur le plan spirituel, quand on décrit à un homme l'origine de ses démons, l'origine de ses souffrances, un chrétien prend conscience. Ah, c'est les liens de famille. Alors quelqu'un se réveille, il commence à combattre pour se libérer des liens de famille. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher une théologie. Cette théologie est une théologie de la libération. C'est-à-dire, les peuples doivent comprendre d'où il vient. Et les conséquences qu'il est en train de subir aujourd'hui, c'est par rapport à son histoire. Comme j'avais dit, à mon introduction, j'ai dit, il y a un professeur qui nous a donné cours, le professeur est calé le cabinet. Malheureusement, aujourd'hui, il est avec Kanambe. C'est un grand professeur de l'université de Kasapane Lubumbashi. Il a dit, notre sous-développement n'est pas un produit d'une baguette magique, mais c'est une conséquence de l'histoire. C'est-à-dire que le peuple qui est ici, appelé peuple africain en général, il doit comprendre que le sous-développement, là, c'est une conséquence. Comme le président Ari Mouké a expliqué l'âme. C'est-à-dire que ces gens-là, ces vampires-là, ils se sont retrouvés quelque part. Ils ont décidé de notre sort. Ils nous ont imposé une pauvreté, un sous-développement. Alors, c'est une conséquence de l'histoire. Nous n'avons pas été créés
pour être pauvre, être sous-développé. Alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je demande à toutes les églises du monde, je demande à tous les pasteurs inspirés de Dieu, je précise, tous les pasteurs inspirés de Dieu, de comprendre que l'évangile que tu prêches, il est aussi historique. Nous prêchons Béthanie, nous prêchons Lazare dans la tombe. Ça n'a aucune adaptation si ce n'est pas spiritualisé. Mais c'est une histoire d'un peuple, Israël. Aujourd'hui, nous prêchons Lazare sort. Mais c'est une histoire vraie. Alors, pourquoi nous aussi, à notre niveau, nous ne pouvons pas aussi insister dans nos églises, commencer à expliquer le peuple, le public que Dieu nous a donné, à comprendre aussi notre histoire, que nous avons béni. Nous avons Bukavu, nous avons Kivu, nous avons Kalemie, nous avons Kasai, nous avons Katanga, nous avons Bakongo, nous avons Bandundu. On oublie tout ça. On commence à dire au peuple, sans histoire, c'est la raison pour laquelle mes peuples là s'est détaché de ses origines et le peuple est devenu inefficace. Et pourtant, la plupart des pasteurs sont des pasteurs intellectuels. Ils connaissent cette histoire-là. Mais ils ont oublié cette dimension prophétique et biblique. Pour qu'un miracle se déclenche dans la vie d'un chrétien qui écoute la parole de Dieu, on met un chrétien dans une atmosphère de comprendre l'histoire de l'onction. Il comprend que Jésus-Christ a été roi. C'est une histoire, on lui dit, alors toi quand tu crois, alors tu verras un miracle. C'était, on lui a mis déjà dans un contexte d'une histoire de l'onction. Et l'onction guérit, l'onction bénit. C'est ce que nous faisons dans nos églises. Et pour qu'aujourd'hui, notre pays soit libéré, parce que c'est une théologie que nous demandons à tous les pasteurs de prêcher, tous les pasteurs doivent commencer à expliquer au peuple congolais, au peuple africain en général, l'histoire de notre Afrique, notre sous-développement de l'Afrique. C'est une conséquence de l'histoire. Ce n'est pas un produit d'une baguette magique. Ce n'est pas par la magie que nous sommes pauvres. Nous avons étudié, nous sommes des licenciés, nous sommes des ingénieurs. Nous avons tout qu'ils ont. Mais pourquoi nous sommes sous-développés? Parce que ce sont des gens qui ont décidé que nous demeurons pauvres. Ils sont là, ils se retrouvent. Voilà pourquoi le temps est arrivé. Et que c'est fini. En Europe, comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. La Bible, elle nous dit, toute autorité vient de Dieu. Que dites-vous aux gens qui s'appuient là pour dire que l'autorité de Kanambe vient de Dieu? C'est comme je l'explique. La Bible dit, je rentre d'abord pour expliquer quelque chose de très important. Et je l'ai dit dans toutes mes émissions. Le livre de Deutéronome, chapitre 17, verset 15, dit, vous choisirez un roi que l'Éternel Dieu lui-même choisira pour vous. Première chose, ça Dieu s'adresse à l'Israël. Il dit, les rois que vous mettrez à la tête de votre pays seraient choisis d'abord par moi, Dieu. Un. Deux. Il dit, il serait choisi parmi vos frères. C'est-à-dire, Dieu lui-même dit, les rois qui doivent vous diriger doivent être choisis parmi vos frères. Trois, Dieu dit, il ne doit pas être un étranger. C'est-à-dire, Dieu refuse qu'un étranger ne puisse jamais devenir roi, votre roi à vous. Non. Il peut occuper tous les autres postes à être enseignant. Le cas de Joseph. Il paye. Oh, comme Joseph, il était comme de Daniel. Mais les rois, diriger une nation, diriger un peuple, doit être choisi que par Dieu. Et parmi les frères, il ne doit pas être un étranger. Voilà pourquoi Kanambe est exclu déjà de cette clause prophétique et biblique. C'est-à-dire, il ne mérite pas d'être appelé autorité du Congo. Il n'est pas autorité, c'est un usurpateur. C'est un voleur, c'est un assassin. Il n'est pas autorité. Quand autorité vient de Dieu, d'abord Dieu lui-même dit, il doit les choisir lui-même. Dieu doit les choisir. C'est-à-dire que Kanambe n'est pas choisi par Dieu. Il s'est mis lui-même. Il dit, il doit être choisi parmi vos frères. Kanambe n'est pas congolais. Alors il doit pas être un étranger. Kanambe, ni de père, ni de mère des Congolais. Alors voilà pourquoi il n'est pas autorité qui vient de Dieu pour laquelle nous devons prier. Et puis, nana lobelo mokwana. Tant ba lobeli autorité, tozomona mutune de David,
oyo nzambe a poni. Première qualité ya autorité wana eza ko protéger ba brebis. David a kei ko attaquer ba babang ba ours na ba lion pona protéger ba brebis. Mais kanambe atiki ba brebis yekutuna zo bomba wana munduki na ye. Et puis, ma verbe au bâtiment, le coréen Satan, le diable, ne pas faire beau, Zali, comme ça, la manavie à Kanambe. Détruire, égorger et voler. Donc, Mouto, Zali, autorité, Ata, Moukete, Pe, Bakoko, Ben, autorité. Nanenge à Mokili, Azo, autorité, Nanenge à Bélection, c'est un voleur. Il a une chose d'élection. Il doit quitter. Il doit dégager. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.kazeo.com. Sur ce point-là, naki kolo baboe. Tango nzamba lobi, nakopona, katinabino, un roi qui va vous diriger. Cela veut dire, Dieu lui-même parlait déjà des élections. Une élection. Et alors, ce qui est total, il y a dispensation. Il y a eu un moment donné où il y a eu une dispensation, il y a une gouvernance, il y a un gouvernement. Il y a eu un moment où il y a eu une autorité et pas il y a eu un moment. Il y a eu un lien maintenant, il y a eu un moment où il y a eu une élection pour imposer un roi ou un président ou un roi. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que deux rois. Et il y a eu une autorité et pas il y a eu un moment. Pona to pona. Aidez comme Bishop Francis Kadimango Tikoloba. Gouvernement, tant que bana dispensation à gouvernement. Gouvernement, il y a Mokili. Premièrement, première chose, premier rôle, il y a gouvernement. Et Zalaka pona ko protéger la vie humaine. Un gouvernement ne peut pas être des assassins. Parce que rôle na bango première, ils allaient tout d'abord ko sauvegarder, peuple ko garder. Il n'était pas qu'on garder la vie humaine. Parce que vie humaine, ils allaient dans le monde, ils allaient dans le monde. Vie humaine, ils allaient le sang. Or, le sang est sacré. C'est par le sang que Dieu traite les alliances. Donc, tant qu'on allait verser ma kila ya moutou. Donc, au long de la moko na contexte. Donc, dire que Kanambe ou le pouvoir de Kanambe, ça vient de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mandaté son autorité et pas il y a bisobatu. Pour te choisir. Si qu'on bisobatu, te choisir, et lobby, Ezali y était. Mais par rapport à la parole de Dieu, Aza déjà de côté, parce que la Bible dit que non, bon choisir, moi na ya mboka, Ezala mo payate. Parce qu'il y a d'autres secrets où Esengeli vous parlez sur vous-même dans votre secret dans votre pays. Et ceux qui vous continuent ici, c'est quoi? Bah paya, donc il y a un peu de destruction. Donc, gouvernement, tout pouvoir, il y a Kabila. Cela ne vient pas de Dieu, parce que même bibliquement parlant, cela ne vient pas de Dieu. Parce que ça déjà des côtés, quand on dit par exemple que non, tokopona, tokopona mopayate. Parce que mopayate, vous prenez pas les malédictions. Au moins, place ni n'a qu'il y a une question, on a, bah, on va dire que non, tout pouvoir vient de Dieu, mais celle de Kanambe Hippolyte, ça ne vient pas de Dieu à travers la Bible, la parole de Dieu. C'est ça que moi je vais dire. Merci. Bon, merci quand même, Nané Mopessinga et parole. Nané rebondir, moi, quelques phrases au Yoba, serviteur de Dieu Balobi. Après, nous avons la question. Donc, combat la bisou et zanga qui n'est bango. On m'a dit tant au banda qui combat, tokende pour attaquer musique parce que Ezaki, qui première zung moko ya magique ou il a dit ça qui majorité ya communauté na bisou pongi. Parce que quand on attaque Batouana, ils allaient qui pour nous ça la premièrement éveiller la conscience, il y a les Congolais mingi ou babanda qui koyi batte parce que ceux qui olingi au bunda place makelé les ali pour na batba yo kabitumba na malamu, il faut beau arrêter nos makelé le wana. Pour na katcha marché, tout monde ra ceux qui les ali na ba midi makelé za ramaka sur pour tant na katcha marché ta bazo bengo yo katé. Mais ceux comme après 18h mon tata za distance wa bengo yo ka. Donc message ya combat, ya résistance, il fallait qu'il faut arrêter musique. Parce que au moment où ok, bien nous besoin conscientiser bateau aussi longtemps que Kuna Baki sur le côté musique, message les gars qui allaient écouter. Bon, et là on a eu ça qui au problème il y a parlement et Bandaka depuis l'époque il y a Jésus Christ. Parce que tant bateau mais ça qui tant où il y a Sosa qui à côté, Barabas pas à qui à côté, bah tout n'a qui bateau. Bolingi na ni toti kaye.
Mais Batouana, ça la guichoua même, il y a un ennemi, il y a un assassin, bandit comme Barabas. Bon, les Cambois bandit comme ça, il y a un bandit qui a accepté qu'il y ait un siège dans le Rwandais. Na musala oyo barwande bauso na Congo do bamba comme si ko participer sur na massacre moni combat tant auto libérer Congo na 2011 c'était na décembre nzamba iba ki faut trajet na bisu zala parce que tozana ba pasteur ba na Israël pendant 41 désert nzamba ngala ki sa mon penzela ya pene ba koma nzamba tant a pensé ki bango schéma ya mulai 40 ans il fallait ki ameka ko nettoyer na Zélande ba zo tambola. Donc nettoyer journée salama ki ti ba ki ko koma devant mer rouge na ndingi nzamba sala miracle à travers Moïse. Donc, ce qui combat la Bissot, qui toujours qui pouvoir la Bissot, tu récupères qui Congo par les élections en 2011 et en décembre, peut-être que tu vas valer la Congo. C'est mieux de continuer pour te dire qui est qui. Bah, toi, on a, bah, Zaki, on a, ceux qui sont allés dans Sand City, Missus Bazalaki, mais tout mon côté pendant de 2000, de Sand City jusqu'à 2006, aucun Congolais démissionnaire qui, selon comportement, ou Yosama na Congo, n'a massacre, n'a viol, ou Yosama na Congo. Tout le monde 2006. Tu es de 2006 jusqu'à 2011. Mon côté dans le groupe Abatona, quand tu es dans 4 ans au Parlement, on a démissionné parce que ma cambo dans mon akuna, dans ce qu'on a supporté, dans ce qu'on a digéré, dans ce que Congolais, on a démissionné à Zalakite. Tu as intérêt personnel, tu as salaire na bango, tu as jeep, tu as intérêt à Zaki. Mon côté déjà dans le pouvoir, on a depuis 2001, il est long. Tant que le Canada a été en train de se faire un peu, on a un peu de temps pour considérer. Parce que, accepter qu'il y ait un Rwandais, on a déjà dit que le Moutouan est président. On a dit que le Moutouan est homme fort. Les gens qui ont été libérés, ils ont des combattants qui ont libéré le Congo. Yes. Ils ont des politiciens qui ont été. Parce que tout le monde, les gens qui ont été en position, ils ont été. Mais la majorité est en position. Est-ce que vous avez personnellement visé le poste politique? Bon, normalement, ceux qui questionnent tout le monde, ceux qui sont dans le lobby, ils ont ou pas, peut-être qu'ils s'est trompé. Comme on a dit, ils ont 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 dit, donc, Congo, le long, ceux qui ont besoin de diriger, pourquoi pas. Un étranger comme Kanambi, il est devenu chef de l'État. Donc, il n'a même pas la crédibilité. Même dans le marché central, il n'a pas de table à la tête. Non, non, il n'y a mais à se retrouver dans la tête du pays. Parce que le pays n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur naïf, il n'a pas d'intérêt personnel. Mais le long, ceux qui Congo, ils ont valeur. Ils ont des combattants de valoriser le Congo. Donc, pour ça, dans le Congo, ou pour ça, la tête, dans la identité, dans le monde, dans le Congo, dans la vie, Congolo, jamais n'a pas travaillé, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le souffrir. Pour moi, ça va bien. Bon, ce que nous avons combattu, nous avons continué à combattre, et nous avons fait ça, nous avons fait des conseils. Nous avons lutté tellement, ils allaient, l'idéologie, ils sont congolais, ils sont congolais, ils sont congolais, ils sont au pouvoir par les élections. Congo, tu essayais qu'en 2006, tu échouais, en 2011, tu as échoué par les élections. Parce que quand même, il y a pas si bien son position et tout. Aïe, il y a un dialogue, il y a un papier. Parce que, Bissona, quand même, il y a un langage de mon côté. Pour bien avoir ce sikoyo, il faut changer ce vision et combat. Le combat serviteur, il va servir de dire, va s'engager corps, âme, esprit dans la lutte. Bah, moi, il faut pas ça là, hôtel de prière, mon beau pour la Bissot. Parce que, il faut ça là, toujours soit plus attaque spirituelle. Il y a déjà trois personnes. Je pense qu'il a expliqué même à Rimouk. Mais moi, il y a déjà trois personnes, il y a déjà trois personnes, bateaux, au bazar, reconnus dans le Congo, et qui attaquent spirituellement dans le Boutou, dans le Kindoki. Tant que je dis que les gens vont s'engager dans la bataille, il y a un moment où les lots vont se retrouver sous la carte de l'hôtel de Dieu pour les gens qui vont se faire. Parce que ce sont des gens qui sont dans le cas. Ils vont se dire que les guerriers vont se faire des bounds pour les gens qui vont se faire des bounds. Ils vont se faire des gens qui vont se faire des. Parce que tout ça là, ceux qui Jésus-Christ a protégé, c'est protection de mon côté pour protéger mon tout dans sa mouille. Exactement. Et on a monique, toujours continue, toujours bitou mal. Quel que soit, Bamakamo toujours compte en anglais, mais lutte dans ces eaux continue. Surtout conscientisation congolais, le loi comme il conscientisé. Même Congolais en Népal, même Congolais en Papouasie Kouna, à se comprendre l'idéologie ou la résistance. Parce que, et là, comme on dit en réalité, que Tobandek n'a pas mémo, Tobandek qui a expliqué, deux ans, on a un Katandakou, lui encore, il a un Katandakou, 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 il
Donc je pense que tant on comprend que Lyon a aussi sa bateau, comme on a kanda ko les gamoto en réseau qui zamboa. Donc tellement tu vas expliquer bah tout que nous t'as la danger à Congo. Bah tu as zoku fa mouton la zamoupaya. Bon jambon bah toi t'es basé à Nango. Bah tu vas donc comprendre t'es y a un homme qui est tokoma qui agressif contre bandeko basé au kate. Et maintenant tout le monde va comprendre que non bah toi basaki n'a raison. Parce que combien a moto voyou pour na azo protéger terre naie pour la guerre des sous-moutons. Combien a moto assassin pour azo protéger ma belle naie bah pour ma dégolette. C'est normal. Donc il y a un homme qui continue à faire des choses, il faut continuer à faire des choses. Tant que ça, on va s'engager dans la bataille. Parce qu'avant, tu as dit que tu es un homme qui est un homme. Parce que tu as dit que tu es un homme qui est 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 un homme qui au moment passé la commune côté abino biso tolingi pe tolingi batoise à bavoyuté tolingi batoise à la violente mais aussi longtemps que Bible est zoloba nous avons le but que nous n'avons pas la violence de Bogota. Vie chrétienne la vie politique, si je parle de la vie politique, je vois la politique politicienne, est-ce que ça compatible tant motozo banda déjà dans l'Ancien Testament d'ailleurs pasteur je l'entends le bon tant nous avons quelli mutu atien dans jardin d'Eden aipsie domine dirigé. Donc, le premier politicien qui a commencé, c'était Adam. Abandi, ben, c'est dirigé. Stala Mabele, Yenda Peskout Banyama Bakombo. Donc, Abandi, on a co-dirigé. Peut-être que les gens qui ont été en train de Bestras, qui ont été en train de Daniel, qui ont été en train de Basali, qui ont été grands politiciens. Quand si botela ka ba ba émission to zo sala auto lobela ki ba estras so muta otanga na na chapitre 9 a omona ki estras ba pesa ki e makoki ya kota la bono so bazali ko tambola miente na mboka, il avait même le pouvoir de les tuer. Et puis quand on parle de la politique, toujours na ndenga politique, politique est comme ma bende pour na biso ba congolais toujours réfléchir politique na lingala. Parce que dans la politique, il y a un rôle à l'okuta. Mais dans la français politique, il y a un rôle à l'okuta. Il y a un rôle à préciser, bien politique, politicienne. Je n'ai pas cet exemple pour les gens. Tant que ça vous pour qu'elle lance la meeting, tata n'a pas eu à base de la bête langue à l'isolo. Azur, ça a été à l'obé. Non, moi, je suis communiste. Communisme, mais ça m'a bé. Azur, communiste, il y a un rôle à ce que ça communiste, mais ça m'a attendu chemise de na singa. Ok, yo, je suis communisme, il y a un rôle. T'as l'image, vous appelez ça communisme. Mais ça n'a rien à voir. Moi, si n'ayez pas commis payer mon tout. Communisme, il y a un rôle. Au fufu na ngole a un mouton, il y a un communisme, il y a un rôle. Donc, bat pas, il y a un rimeur. Babi manakati ya barimer bazongela tozo senga mabato batanga biblia makasi baso sur la pe bible parce que tout monde qui wana batwa lo bon ancien testament c'est là impossible maintenant nouveau testament la nouveau testament tozo mona que Jésus a dénoncé makambo pa ba pharisiens ya ba sadducéens. Il leur parlait à la bible nous bozo cela ba lo bozo to samote pourquoi bino mo donc asla ko appeler ba mona politique moko ya bonne gouvernance. Alors si mouke dans lo bango en Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Ndeko Henri, à chaque fois, on écoute la rana, moko ya ba combattant, dans la rana tendance à retourner la question au meilleur, dans la zone en libakouté, dans le projet à moi. Motivation, on a eu à tenir en wapi, parce que ma bataille, nous sommes toujours perdre, nous toujours, nous a debout. Il y a des rumeurs, tu es toujours debout. Motivation, on a eu source dans mes amis. Donc, source Nango, ils allaient tout d'abord dans l'idéologie où on a accepté en tant que leader il y a mouvement Otobandaki et Naza surtout appelé Naba leader et Belo Babimi. Tout d'abord, ce que Tangi Naba livre nous, ce que mon a que leader ce qu'a Télémi Alandaka Barimerte Alandaka Makelelete Alandaka objectif. Leader, il faut assez surpasser. Parce qu'un leader a sa partenakate, a zo appartenir, bien que toibike, nous avons des leaders au babengi transformationnel, naba leader charismatique, mais eloko oyo batubako ki koboa ke la biso, surtout bato ya pouvoir, au ba kriya kabarimer, naba service na bango ya aner, po nangana na moi expérience, oko landa bien que herba lobi. Kanamba Koufi Kanamba Boui, Naibaka Keba SMS Wana Ezali Consigne à Kinshasa. Pour ce n'est pas la première fois,
babilo kwana esalama kanamba bungi ba empoisonné kote rauta iko za pouvoir sika na na 2001 une année après o ba empoisonné na Kinshasa. Donc biloko na exactement ba congolais ba ndolanda politique te asa salango mbalebele. Ce qui concerne ba oyo ba décourager kabiso et causal est difficile pour nangai na tomber ou bien na landa bango. Pourquoi? Parce que objectif cible, parce que na combat au totelemi ngana zota la ngana talaka awate na zota la objectif place au tozo kende okoma bon nanzela na ngane na telemi na zo yebake et loko wana ezali place wana ngana zo lande loko wana siko na yebi ke bambiche koya na chemin ba tak pe koza le photo yebakango on va nous attaquer. Toi, bate que tous obé taka bango bakou bango ba hôtel, mais ils vont nous attaquer même spirituellement, physiquement, bako attaquer biso, bako bo kapé barimer, parce qu'ils savent maintenant que ils ont affaire à des gens incorruptibles. Même ceux qui ont na mbongo na bako talaté parce que biso tout dépassé babilo kwana. Parce que trop lo bate que pays nyonso ya 60 millions ba tout bazala corruptible. Lelo basala nzambe basala ki je wana. Lelo bazo yo kasoni parce qu'il y a aussi d'autres hommes dédiés. Ou ba yepe na chemin ya vérité. Cela veut dire quoi? Qualité pe na mboka e ko kozala. Donc biso tozali awa en tant que ndenge balobi ba serviteur de Dieu, bazali menga pe na benga rake ba combattant en tant que leader homme politique, aux appel serviteur de Dieu, serviteur du peuple. Kokoya jamais na politique pour na koya ko se servir, ko servir libum na yo na bana na yo na famille na yo te. Nous sommes là, nous sommes tous saloyo, ezali déjà ici côté libiso lobanango bishop na matéya nae que ezali combat et communauté bilé inanga. Donc ceux qui na bundité, son na sali mouvement ya contestation té na zo sepelaté. Ti na quoi? Donc na sali sous na niveau physique té, na komi plus na niveau spirituel. Yango biloko ekoya ba matélé le banani non. Déjà, on a sauté l'objectif. Bon, Arménie, ni tu peux utiliser la cannabis pour les combattants pour la voyer bah combattre bah rumeur oyo des fois les locaux moni qu'on peut vous décourager mingi kati na biso. Arme zali que il faut information et les caca mingi na moni les lo bah combattants bah zali partout. Tous les qui s'accueillent information pour nous conformer peuple. Comme j'ai parlé d'un leader transformationnel. Un leader transformationnel, les années, au lieu qu'on a que non, tu es seulement charismatique, tu dois aussi transformer ta société. Même les gens qui les suivaient, qu'on transforme bango pour nous mener bango dimension moko, au bango bako qui peut servir nation. Parce que les lots, et qu'on a la leader, tu ne vas servir moko en allélo. Kanam bakéi, ba paya, bakéi. Mais le Congo, le Tikali, tout ça dans mon ligne. Et vous allez Odombo, et vous allez pasteur, bishop, bangonde, bako transformer Congo. Non, nous aurons besoin de tous ces gens-là. C'est le moment de les former. Yagoye bisabango ke boke bana barimer. Parce que ceux qui te continuent à barimer, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons arriver au pays un jour. Même Moukouaza président, Moukouaza ministre, Moukouaza chef d'état-major, Moukouaza dans renseignement, avec des rumeurs, Barouandais, Bapaya, Bako, Panzabiso. Ils vont me dire que Tala, Richard, Ningaza, Nazo, Ninga, formé coup d'état, allez, Yopé, Bengi, Batou, allez, Bokenibo, assassiné, Omoni, Odon, Ningaza, Nazo, Lukaba, Longolo, ministre, assassiné, le rapport, Mabé, Yopé, Okeona, allez, tout ça, la complot contre Odon, donc, trop beau mana. Biso na biso. Donc nous devrons aussi former pour nos côté kakabarimer. Ceux qui information yé, comme on dit que information tout il faut qu'aux ango bo traiter ango bo tali que est-ce qu'ils ont avantage il y a mouvement il y a ba combattant ça va te aux ango sont tout monique ils ont avantage de to bois qui ango sans toutefois qu'on les en tant que ba leader il y a ba mouvement to qui n'a rappé na barimer to le barango pe na ba média. Nous devrons aussi ko combattre barimer et zapé fléau mususu. Parce qu'avec des rumeurs, il suffit de dire que tu vends des choses. Moni Bisso, à Téma, lui, non, mon nom était Richard, il y a un groupe Moko Boe, c'était un kabiliste, tout, SMSP, Tamboulik. Non, nous devons traiter l'information parce que Mongo n'a pas à Zoluka. N'est-ce pas que tu vends des choses? Aux hommes, Bishop a le bien, il y a un combat. Mais, Mongo n'a pas. Azo liya pe ndene ne ko protéger pouvoir mutu lokola nani chaku national
bazo lukande nini, comment nous devons protéger le combat bazo sale la bino ba réunion bango bazo na mbongo, comment détruire ces gens là comment bato nde ba baby si nous avec la communauté internationale on pouvait rester au pouvoir. C'est à cause de ces gens-là que Bissot combat Nabissot et Bébé. On pouvait maltraiter Tchène Tshisekedi, les lois n'aillent pas naté, mais Batouana. Comment qu'on détruire Batouana? Par des rumeurs, par qu'on lance la corruption, par moyen de qu'on divise, surtout division. Il y a un moment dans le barque, il y a toujours un combat, moi, expérience, et Zoya, tout le monde, même Makamboiko et Koleka, tout soigne, Mungouna Kotate, tous à Bomoko, surtout biso tout bas combattant y a monde tous à Bomoko. Mutu oyo à cause à la yebike, azo sala mabe, mabe naie, et cause à l'étaler na peuple. Parce que Rio cause un bon ya Kanambe. Kanambe au pays sur bas condition. Rio bando sala, ceux qui osaient koloba, total ah, odon zara koloba boy, les locaux mo loba boy, les locaux mo sala budget. C'est par Jésus et moko batuna qui est que ndeni ni toko reconnaître ba vrai prophète. Alobi ke ça na misala na bango. Jésus alobi na mutute ke o soupçonné muto loba non, remarque bien la personne. Na minute yo nga so ba pesi nga information par exemple sur Odon. Ou bien pesi Odon information sur ngai banani. Toko mo sa ndeni, toko observer yo. À partir de Makambo yo ko sala ndie to bando noté. Ah, to moni ke muto yo azandenga azalité. Mais na minute yo yelinga o non ndenge za na prophète chatu maninga na ba uto pesa 10 millions. Nga na ko croire yo te. Nga na koma na niveau ato ebisinga ndenini. Ato ono na moni e na avion siko non. Bebe soki za avion don ya église msu se pesier ou bien na États-Unis ou bien partout. Donc on ne peut pas aujourd'hui pour moni ndeko na yo na Mercedes au traité que non peut-être que azali collabo non traité mutu à partir il y a comportement naie na bagissement naie ndio koyeba ke qui est collabo toyeba bango na misala mabe collabo de toutes les façons na ba o ibazo détruire lit papa Richard soko talibien au ko remarquer banani ba bando changer ba langage banani ba komi ko travailler contre mouvement au koyeba ngo donc ça n'ango facile donc elo ko kout en tant que journaliste. Je pense que beaucoup de gens ont aidé même la population de Nabiso pour barimer, côté de Nabiso, côté de Nabiso, barimer, et comme na moni Bishop Kadima, na lingi disu ko koma wate, ye a moni, na moni ari na koma wate, donc tout se divisé, bango kana, et loko moko ya mouke. Merci. Pasteur Jules, na moni, na landa la vidéo moko, na moni vraiment, on s'attaquait directement na moko ya machine ya fabrication ya barimer, awa na diaspora. Constant ni au salaki pour combattre à niveau wana ya sala vidéo wana omoni yo moko lo bien moko ya ba transformateur ya ba rimer makambu président arimuka otikoloba ngana kanisi arme na biso ya bien o singeli biso to za nango ezali résistance. Deuxième arme, na biso singe toza nango. Zali ko ignorer ba fabrication ba rimer wana. Soki na takaki ndeko oyo na kati ya combat na ba rimer na yeto na ba virus na ye ozali ko kotisa ngo na combat pour a détruire combat na monnaie que non il y a un danger. Ngana za spirituel. Na homme spirituel. Nazomona avant parce que tant ne corona azalai ko lukaba arimuke ngana zalaka na ba arimuke mena zai ko yate. Pourquoi? Parce que nazai ko boya ba discours na ye na yebaki que na yebaki place nini ba discours na ye e comme mabiso. Yes, come on. Na yebaki place nini toko suka na mutuana parce que et si kanyoso o ne corona atambola a mema toujours confusion na katia baninga amema toujours division pe a panza batu. Je ne pense pas ce qui a côté na katia combat oyo a comme na biso du nouveau. Non, l'homme donne que ce qu'il a, tu ne peux pas donner plus. Et aussi c'est difficile à un dictateur de devenir démocrate. Non, c'est difficile. Tu peux changer par la parole, mais tes actes, comme on vient de dire, tes actes qu'au fond d'ailleurs que non, tu n'as pas changé totalement. C'est pour cela, voir déjà les dangers venir de loin. Nabi, non, non, non. Maintenant, c'est le moment. Oui, Seigneur, Nabi Misa, Nalobanabana, Nandambe, peu importe
situation qui koya peu importe nini batwa ki koloba yango ngai na benga ki toujours ngwanda lokola virus na kati ya combat oyo parce que j'ai constaté beaucoup de choses et soki bolingi soki balingi que non bolingi yo za journaliste même ngwanda na ngai na devant la télé ou devant votre caméra ngana lobby y est pas lobby. Tozan a besoin de batouba semer désordre, to batouba semer division na kat na combat oyo. Pena zo benga ba congolais nyonso, soki le lobo ko croire ngate, mais un jour boko croire, boko comprendre makambu on a zoloba. Soki le lobo no ba congolais ba oyo pe lisusu, okina isa no le belo ko moko. Na combat oyo tozan na yango pona ko libérer mboka na biso. S'il vous plaît. Boko ti sa sentimenté. Beaucoup de sa sentiment est parce que naïebanina intel tous alors naïe bien n'a eu sentiment là na lati ango na comme protéger étant où azos déconner te ngai na colipé na catholicisme na catholique wazako la sasoa bi na bilenga mwinda bilenga mwinda bazo sasoa bi yaki na adage mo baloba mo kezakion bazo ba soki olingi ngai lobela ngai vérité soki olinginga lobela ngai vérité. Je suis très content. Ce qui, par exemple, n'a pas erreur, n'a moni Bishop Francis Kadima, Abenginga, Rabbi, Ozawap, te n'a pas telle place. Ok, n'a yoki boye, boye, boye. Atema yina mouno kote. Abi n'a yoki boye, 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 po na yo. Alors, ma kamouzo sa les alim ala mouté fotika. N'a yon discuté te. C'est mon frère. N'a yon ganga te. N'a yon ba, ok, n'a yoki na kotika. So ki siko ye na mabe na ye, na mabe o nga na o sala. To nde konanga karizmatik na mabe o ya moni Jules Rabi azo sala. Ye azo persiste, azo bif sabato, azo kaka mout malamu. Bo tika ye, te. Ozo me manga, bo me manga na erreur. Na zo benga peuple congolais. Na zo lo bango en qualité ya mosali na nzambe. Na zali na ni parti pri, pe na ini ndeko o yo yo tuninga mo tuno zwa mbanda na ini ye pete. Naza na rancune contre yete mais tout simplement na monique azali ko dévier bato na biso to azali ko mema peuple congolais na erreur pe azo kotisa biso na kati ya brouhaha to na kati ya ténèbres moko et ko zala difficile po na biso to bima soki nazo bango lokola mosai na nzambe soki boyoki ngate bona ndeko oyo soki boyoki ngate un jour Bokolela, peto kolela. Un jour, bokolela, peto kolela. Pour un moment, oh, tozali. Tozana ba ide na biso peto lingite ba ide wana. Ebima ekome pa ya kanambe. To lingite ba komba otozo mene, ebima ekome pa kanambe. Boye bisanga eloko nini ndeko oyo. Asala, oyo ezali epesi recite na komba oyo. Depe kota komba. Et le koni ndeko ya sala akuta kibiso na bana Congo bana Congo ndeto sali apareko apareko bimi na bana Congo tanga ya kipasa a tromper bana Congo et ngaze ko linga jamais ko ko sadere la kata mouvement wana soki bolingi encore plus parce qu'on a des dossiers soki bolingi encore plus et robima nango na loba nangai parce que na sali ba conclusion nanga to sou ba zobate. Tu as souba compte tout l'onda ka mutu par sentiment. Eh, a sali boye, to kene par sentiment bien, to bete la kaye jale lo tu bandi la. Te, moma ba jale le Cécili. Moma ba jale le Cécili. Peuple congolais assis à telemi. Peuple congolais a yebi que non, ta oye to komi langa yita moko yamabe. So ki o moni ke non, a mukuta yota mbola mala mute, na olando pona sentiment, te pon nga soye nan laki sentiment. Naza muswahili, naza mutakindu manyema, batu wa osala na kata kishasa ya kata Congo, bazali ba swahili, batu wa kindu manyema, bazali ebele, pe basiba yenga plusieurs fois, yaka kosala na biso, yaka kosala uzamuwa na biso, yaka kotravaye na biso. Mengana luba, non, parce que na landi sentimate. Nazo pebeza nga tamusu ba 100 euros, awa, ba 200 euros, na kolo pe, ah, bon, neti aéroport, nengana za na aéroport, chef na bureau na aéroport, chef, na bureau na aéroport po nengana choisir wana so ki na aéroport nengana choisir na beach po mbongo zoko ta olia mbongo na nga kimia calme à l'aise mais natali est-ce que ça va venir bana na nga lobby bakoza na mboka est-ce que bako beta tolo
Baba le papa tikela kibiso eloko lito tikela bana. Yangwana bomonaki olanda ki ba image wana na meka ki muke na fingite na lobite me na talisi biso bana ya Congo na talisi biso ba combattant to landa mutu par sentiment te s'il vous plaît. Ko benga ngate po landa ko lobalo balo o kote la mutu te ko landa so besaye adage loba na zolanda opo na ba sentiment te mena tala ba œuvre na yo. Ozo sala nini position na yo eze belé sona bina fungola livre c'est tout un livre sona bina fungola yango e ko pesa scandale ya ko sakanate PDD na mutu na nzam o oze ko yas na spiritualité essaye vous allez voir et vous allez comprendre que non là je suis barricadé. La Bible dit celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Moi, je suis né de l'esprit. Donc, quand les choses ça se passent spirituellement, je suis à communication, à contact avec les choses spirituelles. Donc, n'ose même pas devenir spirituellement. Parce que, oh, il y a mec qui spirituellement. Je suis prêt à niveau spirituel. Il y a contacté n'importe qui, n'importe comment. Donc, nazo benga bana na biso ba congolais, pe nazo benga ba combattant, boza la vraiment tolanda sentimenté, tolanda tete pou muta sali bo tolanda tete pou te, totala intérêt ya mboka na biso, intérêt ya bana na biso, intérêt ya avenir na biso, kala tete ko tika ba monde oyo, nous allons partir, nous allons laisser nos enfants. Alors, bana so ba kuta nini na kati na monde oyo tozo ko bongisa pona bango. Merci. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV c'est le rendez-vous des internautes. Mon église Lelo et Mbitaki Bishop Tchatumba et dans l'occasion nous salis la cérémonie pour l'éco Odombo et pour l'éco Henri. Je pense pas que il faut soit quand avant mi parler parce que va projet nous pour la bande comme sous pays Isali notamment même à bien à Paris bien à Angleterre. Au monde ma camboise la ga spirituelle des fois la ga préparer té. Balobi mukolo mo bo Saül batindi Saül la no luka ba Agnes e Bungaki hein. Donc tata na tindi ay ke yiko luka ba Agnes e Bungaki men anzela ke kutana na Samuel mbalamo bati mafuta ya roi. Donc, oh ya le loin salami, c'est là qui préparé, c'est là qui programmé, et là on aime bien ça que bishop charismatique depuis tout à tel avant bon année, il fallait la paix à ou après na tout coup t'en a gamin topé ça n'embote na quatre églises, n'engue y en France qu'on a pelé na ma camboa théologie à libération, bishop a tout cas l'opé la topé ça n'attend pas consigné, donc bah tout coup t'en a gamin à ou tout ça mais le longo pe n'engue bande qu'on a bishop au dombo c'est là qui n'emboka azali Azali éprouvé, Henri Moka Azali tobenga ibango base la quand même na biso. Nde makamona ndenga moli mwesami ye pe a prévoyé qui te kya kobenga bango le boso kuna. Mais ça bloque mon spirituel spontané, ça s'est passé dans le spirituel, tout s'est connecté d'une façon spirituelle nde eloko ane salami. Et puis makamona salama bonde za malamu po eza ya Nzambe. Merci. Bolobi nini pona cérémonie spirituelle oyo. Et qui est le sens bon, Nazan vraiment très très content pour la cérémonie d'intronisation à l'élo. Je pense que qu'on intronise bah leader, donc on ignorait que ce n'est pas terme à leader, que bah ça va leader t'es intronisation à Bongo, et ça le coup là bah intronisé bah combattant nion sur le monde. Amen. Donc pour Nanga et ça c'est un moment pour toi bah qui en face n'a biso, Monguna to Bundana et tout bundané physique mais sache que munguna zo bundaka physique a pas mbaté zo bunda pe spirituel alors c'est ngi pe so pe ba combattant spirituellement tout a bloqué pour tous les deux sens to bundana yé. Donc c'est pour cela na en tout cas pour la cérémonie alors na très content mais na za na moi pas regret na lo bala pe sa conseil surtout na zo mona to zo bossa na momuke combat na biso to mi bengi ba combattant ba résistant mais je pense que quand on dit combattant ils ont muto zo combattre. Résistant dans mon temps pour résister. Mais sache que dans le combat, ma boule est comme ça. Je vais mettre un peu de coffre pour régler le ciment. Mais pour régler le ciment, je vais mettre un résistant pour régler. Mais si le moi, le langage, je vais changer. Je vais mettre un peu de temps pour moi. C'est une rumeur. La rumeur est une vraie arme que mon goût n'a pas besoin d'utiliser. Je vais mettre un peu de temps. Et si tu vas vivre selon la rumeur, le combat est au coup.
yango na repesa conseil na bandeko ya fandi ah ngana le mina kombango d'ailleurs na yoka ki metodo na wali ki nembongo okutu na yoki bino bozo cha munoka pamba rimu ke kutu bapesa ki mbongo alo na zo mituna to ya komba pona rimu ke pona odombo ou bien to ya pona kongo ponga na ibike pona ngana ya kombana polobi pona nga mokote polobi mwana nga a se trouver domestique a rwandete et puis kombana nga na zo bunda pona kana mbe mokote ndeto lo bakaka pona système pona ba rwandais nyoso bakende kongola récupérer pouvoir tant mboka na ekolongo na boka munguna eza bana na biso nde ba kuvivre susi na biso bana na biso ba za lèse voilà conseil na nga mingi na bandeko yo bazole mbakomba pona ba rumeur en tout cas totika yango oyo mibengi résistant résister na ba rumeur o mbengi combattant combattre ba rumeur wana donc combattre toujours ke liboso. Et le kona na 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 bak samukeza ke ndenge maître Donald Lobby combat oyo ezaka kapona leloté lobby soki to kozo ba dirigeant misusu o bazo malmené peuple combat ezo continuer ça étikale structure étikale structure pona libela pona libela pona libela donc lobby to zum konzi misusu ayeka na ba maltraitance ya ba vantir combat eko continuer et puis ko tika la organe moko international reconnu contre toute autorité que vous allez établir dans le Congo, vous allez vantir, vous allez dénoncer, vous allez attaquer jusqu'à la moelle. Parce que ma moelle dictature, et c'est celui. Bon, gars, le basso qui s'est dit, qu'on a bande de basse, pémi bali, donc c'est pour ça qu'on a Bruxelles, Bazana, Katia Belgique, église, où on a côté de Nabino. Et ça dit, Awa, Namatongé, et pas à Bishop Francis Kadim. Nazako lobango sa mache le mot na bengi bino nyonso to yaka kutanaka awa chaque mercredi 18h tina 20h30 awa na matonge na galerie awa dimanche nyonso a partir ya 15h30 jusqu'à 18h30 tuzo kutana awa na segi bino tu batu bula na kabi mission na ngai Bishop Charisma bino batu Belgique so nga sko na minute na sana Belgique na kanise ki deja na kumona bino tu batu bobe na kangana mena moni bino tona regrette dimanche prochain na kozala awa dimanche yo sare 40e le 11 na kozala awa na bengi bino ba kombata nyonso boza pemi ya envers awa boza di awa da Hollande awa bozo koma awa dimanche tuzo kutana a partir ya 15h30 awa et pas Bishop Francis Kadim yoka référence na pesio Bishop Francis Kadim zo tambra ka zo luka Bishop Francis Kadim to ko tana wa alors l'ancien de Bruxelles batu so bayebi alors ntozana conseil c'est Salemi conseil pastoral de la diaspora congolaise conseil Salemi awa na Bruxelles awa tozali na président na président vice président na ye président Francis Kadima, na vice-président na Yejil Rabi, na Ndeko Epafras, bazana katia structure wana, bande kounyonso bakaro, bazana katia structure parce que bazana pasteur ou yba se prononcer en public, na komba na biso, na France na yebi bilinyon sou boyebi, et sa di kamoko bombate, na za d'abord nga imoko na France, naza ngai moko naza au four au moulin pasteur mutsuba landi non alors na munda do pasteur moko te ko na ngai mais nazo mona nazo lobango devant Dieu moi na moi sho e mimi mavatiko bazeli na kata équipe na bango ya ba vainqueur non comme ça une femme extraordinaire avec son passé qui toujours été avec elle dans leur combat et ils sont en train de faire les combats. Nazako remercie bango mais na tukutana pe en privé te mais tukutana na ba marche ba sa pote ki kosala une grande prière les 16 pona Congo les 17 pona Congo et les gars qui malam alors tous en kubunda ba tous ba sa na Canada ba tous ba sa ba États-Unis ba yambe ba sa na kati ya kombango to sengete to zala un notre victoire est certaine voilà vous devez les savoir. Amen. OK.